Et lui les gens, bienvenue sur frappstesjeux.fr ou sur mon blog itisson3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de la frappe soluce de Far Cry 4 sur PC. Nous sommes actuellement dans la demeure des Gale, bien léguée par nos parents, et nous avions effectué une sorte de... comment on pourrait appeler ça? De déménagement organisé, désorganisé, des Yogi et Reggie qui s'étaient installés chez nous. Et du coup, je fais juste une petite visite rapide. Alors, vous pourrez remarquer, j'ai un peu augmenté le gamma du jeu, histoire de pouvoir obtenir une luminosité un peu plus appréciable. Enfin, un gamma plus appréciable, tout simplement. Qu'on y voit un peu plus, que c'est vrai que dans les vidéos, on n'y voit pas grand-chose la plupart du temps quand il fait un peu trop sombre. Donc, je me suis dit que c'était peut-être un peu plus sympa d'augmenter tout ça. Ensuite, comme vous pouvez le voir, nous avons un monsieur assis juste ici. Et celui-ci a plein de petites choses à nous vendre pour améliorer la demeure. Nous, on a un portefeuille plein, qui n'est pas optimisé certes, mais qui est plein quand même et qui va largement servir à réparer un peu tout ce qu'il y a ici. Réparer ou améliorer d'ailleurs. Bref, c'est parti, allons voir. Bonjour monsieur, ravi de vous rencontrer. Qu'avez-vous à m'offrir? On commence avec un robinet avec 18 000 roupies et quelques, presque 19 000 même, un robinet extérieur pour la propriété. Vous y trouverez un gilet pare-balles, ce qui n'est pas mauvais je pense. Et une bonne chose de faite, une. On va aller rapidement chercher ce gilet pare-balles, comme ça ce sera fait. Voilà. On se sent déjà mieux. Ensuite, on continue. Nous avons le comptoir, un comptoir entièrement équipé permettant d'acheter des munitions, de personnaliser vos armes et de vendre votre butin. Vous les avez déjà vus de nombreuses fois, on va pas forcément s'installer dessus maintenant. On continue, nous avons la mise à niveau extérieur, une façade entièrement repeinte qui redonne à la demeure son cachet d'antan. Et là, vous ferez attention au toit, vous remarquerez qu'il change. Donc ce n'est pas qu'une rénovation, enfin si, ça c'est une rénovation, c'est pas une restauration, on va dire. Voilà, c'est un petit peu plus coloré. Et vous remarquerez d'ailleurs que les illustrations qui sont sur les murs, notamment Moengale, j'imagine ici, ou alors c'est... ah non, c'est pas Moengale ici, c'est Yogi, Reggie lui je crois. Et de l'autre côté ça doit être Yogi je pense. Voilà. Nos deux gus. Moengale, non mais n'importe nawak, qu'est-ce que je raconte moi. Ensuite nous avons la mise à niveau intérieur, un intérieur entièrement repeint qui rend la maison beaucoup plus accueillante. Alors entre nous, je n'ai pas vu énormément de différence entre le avant et le après. Mais il y a pire. On en reparlera. Contrebande, ce kit pour faire de la bière maison ne fonctionne pas. Superbe. Mais vous y trouverez toujours quelques cocktails Molotov. Et puis, de toute façon, la Shangri Lager est bien meilleure. On continue avec l'éclairage intérieur, et c'est peut-être ça le pire. Plusieurs lampes seront installées pour illuminer la maison. La question c'est, où sont ces lampes? Regardez bien, repérez bien la lampe à gauche par exemple. Disparu! Et oui, il y a moins de lampes maintenant que nous avons payé. Je ne sais pas ce qui était censé vraiment se passer, mais c'est particulier quand même, hein, l'histoire. Décoration d'arbres, des décorations pour l'arbre sacré. Vous y trouverez de petites quantités d'argent. Et là, attention, mesdames et messieurs, je ne sais pas qui a fait le boulot, mais c'est merveilleux. La décoration de l'arbre fait qu'il y a désormais des feuilles dessus. C'est quand même classe, hein. Je ne sais pas qui a les installer, mais c'est très réussi. On continue avec l'enclos. Un enclos pour animaux spacieux fourni avec des cochons de la région et quelques couteaux de lancer. De toute évidence, le gardien n'est pas un fan de ces animaux. Tadam ! On continue. Avec le jardin, différentes plantes poussent dans ce jardin, parfait pour récolter rapidement, quelques feuilles et confectionner des seringues. D'accord, nous avons le logo de Yogi et Reggie qui est parti s'envoler sur la droite, j'ai pas trop compris pourquoi.
D'ailleurs, vous remarquerez que la plupart du temps, on ne voit pas l'ensemble des plantes du premier coup. Il y a des icônes qui apparaissent. Vous voyez, j'en viens d'en couper une. On en coupe une deuxième. Et au fur et à mesure, elles apparaissent, en fait, les autres plantes. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Vous voyez, là, il y a une plante blanche qui vient d'apparaître. Là, il y a une plante jaune sur la mini-carte. C'est assez bizarre, du coup. Hop, plante rouge. Autre plante rouge. Autre plante rouge. Enfin bon, c'est... Je sais pas, ça m'avait marqué de voir ça sur la mini-carte. On continue, remarquez bien, nous avions un deltaplane. Chose qui va disparaître avec l'installation d'un buzzer. Alors je ne me rappelais plus le nom, je vais appeler ça Hooker ou Hooper dans une précédente vidéo, comme quoi c'est un peu bizarre. Donc le buzzer, votre buzzer à vous, il sera toujours disponible devant votre propriété. Alors je vous le dis tout de suite, je pense que j'aurais rapidement oublié le nom de cette espèce de véhicule. Et comme je vous le signalais à peine plus tôt, l'achat du buzzer fait disparaître le deltaplane qui était au bout à droite ici. Vous voyez, il y avait encore les planches, mais le deltaplane n'est plus disponible. Nous n'avons que le buzzer. Bon, d'un autre côté, c'est un peu normal, mais j'aurais bien aimé que les deux restent. Enfin, que l'un s'installe et que l'autre reste. Et enfin, le sanctuaire. Oui, il nous restera quand même pas mal d'argent. Un petit sanctuaire privé très joliment décoré, idéal pour s'accorder quelques moments de réflexion. Vous y trouverez de petites quantités d'argent. Et voilà, voilà, nous avons tout acheté. Tout est ok. On va donc continuer la vidéo, on allait rendre une petite visite à Yogi et Reggie. C'est quand même bien plus joli comme ça. Je sais pas pourquoi ça fait penser à Tropico, le décor des maisons, enfin la peinture. On va aller voir l'intérieur rapidement, mais rapidement, hein, c'est histoire de vous montrer quelques changements qu'il y a eu. Même si je trouve pas que ce soit vraiment... remarquable à ce niveau-là. Nous avons de l'argent juste ici. Petite plaque électrique. La peinture, ça se voit déjà un peu plus. On remarque aussi qu'il y a un peu moins de bordel. Mais ce n'est pas flagrant. J'aurais préféré qu'il y ait un peu plus d'amélioration que ça, en fait. Mais bon. Apparemment, on va s'en contenter. On ressort. Et comme je vous le disais, on va lancer la mission de Yogi et Reggie. Ça marche! Je te l'ai dit, je le voyais à travers les murs. Hein? Ah, ton char, tu l'as entendu marcher? Non, 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 tu sais que je suis sûr d'une oreille! Tu te souviens de ça, Apollo? Ouais, le joueur de trombone. Ouais, le joueur de trombone, mon chien. Enfin, maintenant qu'Eddie est arrivé, il va pouvoir nous mettre d'accord. Tout à fait. Mais c'est notre invité, on doit être poli. T'inquiète, ça c'est de la super bonne. C'est un joint du troisième œil. Avec ça, tu vois à travers les murs. Perception. En fait, il te faut ça en plus pour sentir l'effet. Bon, nous avons un petit message ici, Oculus. AJ, désolé pour la surprise, Yogi a un peu forcé la dose avec la seringue, mais on devait te transporter pour l'expérience. Ce lot de seringue devrait tordre les murs de la perception, ta sensibilité sera plus vive, tu atteindras des nouveaux niveaux de conscience, et tu seras en communion cosmique et spirituelle avec le monde qui t'entoure. N'essaie pas de lutter, tu risquerais juste de te faire un mauvais trip. La dose devrait faire effet jusqu'à ce que tu atteignes ta destination, Reggie. Je les retiens, c'est de là. Bon, on se casse pas la tête, hein. Nous avons deux petits coffres à récupérer ici. Inutile de se baisser, normalement, on va juste courir comme des dingues. En laissant les ours tranquilles, je récupère juste le contenu des coffres. Et on se tire, comme je vous le disais, il y a des gens partout, des ours partout. C'est le bordel. Putain. Je suis où, là? Vite les lightman!
Notez que nous n'avons aucune arme pour nous défendre. Et heureusement que j'ai la compétence qui me permet de courir en continu. C'est bon ? Oh merde ! Qu'est-ce qu'ils m'ont fait prendre, putain ? Et donnez-vous les singes explosifs, ils font boum ! Alors je vais peut-être prendre le véhicule, tout simplement parce que je trouve qu'on a une bien meilleure vue en se baladant à pied. Je trouve qu'on profite plus de l'ambiance de cette mission. Parce que le véhicule nous coupe le haut et le bas de la vue avec l'habitacle. Laissons-les s'amuser avec les rhinos, hein, de préférence. Notre ami, je suis mort. Il nous vient de très loin, ok ? Nous pouvons récupérer. Non, pas encore. Qui suis-je et que vais-je faire dans ma vie ? C'est quand même particulier comme titre, enfin comme objectif. Alors encore une fois, on peut utiliser un véhicule, mais je ne l'utilise pas uniquement pour profiter de la mission. Ces variations de couleurs sont plutôt jolies, même si, encore une fois, il y a cette espèce de brouillard dégueulasse. Ce qui est plutôt dommage. C'est bizarre parce que je ne l'avais pas toujours à l'entraînement. Alors là, c'est un peu aléatoire, hein. Les personnages peuvent changer, j'ai déjà une dame qui fouille dans des pneus, ou des gus qui marchent, c'est assez aléatoire. Bonjour, bah voilà, des gus qui marchent, comme quoi. Bienvenue chez Barbie, princesse qui rate. Et je dis ça bien sûr quand on passe au bleu. Waouh, c'est joli les couleurs. Un joli violet en fond. Bonjour. Là, on court. Attends, il y a un ours qui va popper normalement à gauche. Voilà. C'est pour éviter d'utiliser bêtement notre gilet pare-balles. Je préfère aller un peu plus vite. Il vous manque des choses à trouver-les. Alors, on fait le tour par la gauche. Je crois qu'ils sont dans une grotte en dessous. Voilà, on va aller les rejoindre. En tout cas, je pense qu'ils me devront un certain nombre d'explications. Je me souviens pas d'avoir fait ça. Moi aussi, malheureusement. Oh la vache! Comment t'as... Comment c'est... Oh, c'est plus dégueu que ce que je croyais. Et on a vu que 30 secondes. C'est pire après. Ah, mais j'ai... Je vois que ma petite concoction a eu de l'effet. Notre concoction? La nôtre. Vous m'avez drogué. On t'a proposé et... T'as dit oui. Ouais, et puis t'es encore entier que je sache. Y'a pas mort d'homme. En plus, maintenant, t'as la recette. Ouais, comme ça, tu pourras profiter de ses effets dès que t'en auras envie. Comme un super pouvoir. Exactement. Et on en a un paquet en stock. Reviens nous voir la prochaine fois que tu voudras ton voyant, là. Ok ? En attendant... Un petit ? Ah, cela... Perdu et désorienté, mission terminée. Donc en fait, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, c'était l'une des grottes où nous avions ramassé une lettre, hein, donc on passe juste à côté au cas où si besoin. Voilà, on devait grimper, il y avait une lettre perdue à récupérer là-haut.
Ok, du coup, on va où maintenant? Alors, je sais pas, ça sera plus fluide. J'ai compris qu'il y avait un programme qui tournait en. Genre, c'est Cleaner, etc. qui tournait en arrière-plan sur mon ordi. Je les ai coupés tous. Donc, on verra bien si ça restera fluide jusqu'au bout. Pour l'instant, ça me semble en tout cas plus efficace. Soit j'explore, soit je vais voir le Tanka qui est ici. Je pense que je vais m'occuper de la mission d'Amita. Ça me paraît pas idiot, ça, comme truc. Allez hop, on y va. Pour tout vous dire, d'ailleurs, sachez que l'introduction de la mission d'Amita implique, d'une certaine manière, les choix que nous avons fait dans la mission précédente du Sentier d'Or. Donc c'est la suite logique. Donc forcément, l'introduction ne sera pas la même selon si vous avez fait le même choix que moi ou un autre. Je vous rappelle que CTRL-Z, ces vidéos du moins, vous présente les choix opposés aux miens. Donc vous aurez la cinématique d'introduction de la mission qui est liée au choix de Sabal, au choix de d'Amita. Hein, si jamais vous allez voir la vidéo de CTRL-Z, normalement, hein, s'il les continue. Scotch de 50 ans d'âge, télécommande. Je vous rappelle d'ailleurs que les vidéos de CTRL-Z sont disponibles aussi sur le blog. Vous pouvez, une fois que vous êtes sur la page de Far Cry 4, naviguer entre mes vidéos et les siennes si nécessaire. Et je vous ferai sur sa page à lui un petit récapitulatif pour savoir où se trouvent exactement les choix pour que vous puissiez directement lancer la bonne vidéo. Télécommande. Alors je vous lis quelques petits trucs avant de les vendre. Hein. Quelque part dans le coin, une télé passe en boucle les vrais Housewives de Danny Deza. Lampe argentée, remplie de pétrole ou de beurre de yak, ça je vous l'avais déjà lu je crois, feuille verte c'est bon, film en 3D aussi, précepte de mine, un carnet de poche avec une couverture rouge, contient des photos en couleur de mine, ainsi que ses discours et essais en kirati et en anglais. Couteau en argent, ce couteau semble avoir une utilité dans le cadre de certaines cérémonies, mais l'argent dont il est composé possède beaucoup de valeur. Montre bracelet de luxe, cette montre supporte aussi bien l'eau que l'altitude et plaira beaucoup aux personnes qui ont les poches bien remplies. Lunettes d'escalade. Cette paire de lunettes avec ses renforts latéraux en cuir protège les dangereux effets réfléchissants de la neige. Texte sacré, un recueil d'hymnes et de mantras, ces textes, lorsqu'ils sont récités chaque jour, guident le fidèle, vers l'illumination. Hache rituelle, la lame est ébréchée et la poignée est cassée, cette hache n'a jamais servi à tuer, uniquement à préparer le corps des défunts. Désormais brisée au niveau de la poignée, cette masse servait autrefois à pilonner les os en morceaux si petits que les oiseaux pouvaient les manger. Photo de nain 2. Une photo d'un nain ayant perdu ses vêtements est dotée d'une vilaine cicatrice au visage. En voilà un qui sera bien attrapé quand l'hiver sera là. Alors je vous avoue que je ne sais pas du tout à quoi cela peut faire référence. Mais bon, peut-être quelqu'un me le dira. Un nain, je vois pas. Après c'est vrai que quelque part j'avais pensé à Beyond Good and Evil parce que c'est vrai que Paige a une sacrée cicatrice sur le visage et qu'il est assez petit. Mais bon, et dans ce cas-là ils auraient parlé d'un cochon, je sais pas. Quelqu'un me dira peut-être du coup à quoi cela correspond. Donc vous l'avez vu, j'ai vendu aussi l'ensemble des pots de samba et autres éléments que j'avais dans l'inventaire, puisque ce n'est finalement pas utile, puisqu'on a déjà récupéré tout ce qu'il nous fallait. Allez hop, allons voir du coup Amita, qui est un peu plus haut. Alors oui, comme je vous disais, si vous voulez voir l'autre introduction de la mission, vous ferez mieux d'aller voir les vidéos de CTRL-Z. Je pense que je peux quand même passer par là, oui. Vous voyez, si j'avais pris les véhicules dans la mission de Guy Ritchie, en fait, on se serait tapé tout cette partie du décor en moins. Et quelque part, je trouvais ça dommage. Bon, on va quand même décéder sur le coup. Hein. Par moi, il y a quelqu'un là dessous, mais bon, c'est pas grave. On continue notre petit bonhomme de chemin, là. Alors, comment ça se fait que j'ai des jetons de mercenaires en plus? Tout ceci me paraît bizarre. Alors, on descend ici. Et normalement, nous avons de quoi monter juste là, voilà. Bah nickel, c'était pas prévu, mais bon. Voilà, superbe, magnifique. Comme je vous dis, ce n'était pas du tout prévu, j'avais pas calculé que le convoi de mine était en train d'arriver. C'est pas grave, on fait avec.
vachement sympa la demoiselle. Qu'est-ce qui t'a pris, AJ? Touche pas à la drogue. Vraiment, c'est ça? Ces chants, c'était pas seulement de l'opium. Mais des livres, des médicaments. On aurait pu construire un hôpital. Mais non, Sabaldi, la drogue, c'est mal. Et toi, tu incendies notre putain d'avenir. Hé, hey, c'était juste... Oh, mais pardon. C'est pas mon tour de parler. Tu veux que je marche 10 mètres derrière toi, la tête baissée? Tu n'as pas vu le pirate avant la guerre. J'avais 6 ans quand mes parents m'ont dit qui j'allais épouser. 6 ans! C'est ce monde-là que Sabal voudrait revoir. Moi, je dis juste... Écoute, Sabal est du genre à bien cacher son jeu. S'il était aussi concerné par les traditions, pourquoi il t'a pas demandé de protéger les statues de Kira? Quoi? Les statues de Kira. Paul a l'intention de les détruire. C'est une manœuvre pour monter le peuple contre le Sentier d'Or. Et on n'a pas besoin de ça en ce moment. Mais elle va se calmer, la petite, là? C'est quoi ce boulot? Oh! Non mais attends, t'as qu'à me donner le plus d'informations si t'es pas contente. Bon, on m'a dit que c'était la drogue, je brûle la drogue. Oh punaise, qu'est-ce qu'ils sont agaçants ces deux-là. Mais sérieusement, plus je passe du temps avec eux, plus j'en fous. Oh, j'ai envie de la mettre des tartes, vraiment quoi. Je les trouve frustrants à un point. Normalement c'était pas vraiment par là qu'il aurait fallu que je passe. Voilà, on va passer de ce côté-ci. Pour atteindre cette zone-là. Non mais sérieusement, ils auraient pu faire les choses autrement. Qu'ils me préviennent dans ce cas-là et qu'ils arrêtent de faire des choix extrêmes. Je sais que je suis quelqu'un qui suis assez extrémiste, c'est-à-dire que je penche souvent d'un côté ou de l'autre. Mais de là à agir comme eux, faut réfléchir un peu plus, présenter les choses différemment, je dois faire des actions. Débrouillez-vous pour qu'elles soient un peu plus intéressantes. Enfin, intéressantes. Mieux renseignées, on va dire. C'est pas intéressant le terme. Histoire que je n'ai pas l'impression de faire des bêtises à chaque fois. C'est du n'importe quoi pour moi là ce qui vient de se passer. Si elle était pas contente, elle avait qu'à mieux présenter les choses. Gaffe au mec qui est là-haut en fait surtout. Voilà, parce qu'il y en a un là-haut qui est assez embêtant. Celui qui est avec le sniper en fait, vous l'aurez compris. Oh punaise, les salivaux ils sont vraiment tout détruits quoi. Alors bon, il y en a un trop dessus, c'était pas le plus important. Alors, des fois j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pop ici. Ça me frustre un peu à vrai dire. Et il est là. Des fois il y en apparaît derrière aussi. Donc faites gaffe. Je sais. Au revoir. Voilà, voilà. On y est. Mais il y a des cadavres partout. Sécurisez la zone. On arrive. On arrive. Allez, venez, je vous attends parce que je sais qu'ils arrivent et ils sont extrêmement agaçants. Donc je me débrouille pour être le plus efficace possible dans la mission comme d'habitude. On vient vous rejoindre. Alors moi il y en a d'autres qui arrivent en face là-bas, mais là je les vois pas, c'est bizarre. Oh!
Aïe. On se dirige vers vous. Vous voyez, de loin, c'est pas aussi efficace. Oh, j'en ai eu deux en même temps, j'ai pas compris. Leur nom aux pirates. Il est temps d'allumer les braseros, de leur rappeler à tous que Kira veille toujours sur eux. Sabal, comment je vais faire pour atteindre les braseros? Grimpe, mon frère, grimpe. En général, il y a toujours 2-3 gus qui arrivent ici, là je sais pas pourquoi ils ne sont pas là. Superbe. Encore une fois, je patiente au cas où. Parce qu'en général, il y a des gus qui arrivent. Dont un sniper, et forcément, il fait mal quand on essaie de grimper là-haut. Bon, tant pis, chier. Ah. Voilà, parce que c'est pas forcément très agréable de se faire tirer dessus. Ouais, bah en fait, il n'y a pas d'avoir plus de monde que ça pour l'instant. Hey Jay, il faut que je te voie. C'est important, mais je ne peux pas t'en parler à la radio. S'il te plaît, viens me voir à Shanat. J'arriverai, très cher, mais pas tout de suite, tout de suite. Il en reste encore un autre petit en bas, apparemment. J'aurais bien aimé qu'il vienne me voir. Ah si, je crois qu'il arrive. Ah bah parfait, c'est bon. Mission terminée, on aura au moins sauvé une statue sur les deux, c'est déjà pas si mal. C'est marrant, AJ. Lorsque tu es arrivé au pirate, je pensais qu'on pourrait faire le ménage ensemble. Dépoussiérer les étagères, tuer quelques terroristes. Le Kira a besoin d'un petit nettoyage de printemps. Renouveler un peu tout ça, etc., etc. Être un mercenaire, c'est pas fait pour toi, mon garçon. Pourquoi crois-tu qu'Amita et Sabal déploient tellement d'efforts pour te séduire? Ils ont peur de toi, AJ. Et ils ont bien raison. Ouais, apparemment, fermer les deux et les petits logiciels qu'il y avait à côté qui tournaient en arrière-plan de mon ordinateur, ça a quand même fait du bien, hein, parce que pour l'instant, je n'ai pas eu un seul ralentissement. Je pensais avoir tout fermé en fait, mais apparemment il en reste encore un peu. Et nous voilà de retour à la maison. Si c'est pas beau ça. Il est où le machin là? Il est là. Voilà, je coupe une plante, il y en a une autre qui apparaît. C'est génial. Du coup, la vidéo est un petit peu courte, c'est triste, je trouve. J'ai pas forcément non plus envie de me relancer sur un truc que je n'ai pas encore fait. Pour l'instant, au pire, je pourrais essayer de m'occuper du ravitaillement qui est ici. Et essayer, par la même occasion, de récupérer un petit peu ce qu'il peut y avoir dans cet environnement-là. Juste pour terminer la mission, comme ça, ce sera fait. Hein. Je vois qu'il y a aussi un désamorçage juste là qui n'était pas disponible avant. Parce que je vous avoue que j'avais pas prévu plus loin, enfin si j'ai essayé de faire des missions, mais après il y a la mission dont nous a parlé Amita rapidement par radio qui se trouve ici. Et nous avons une autre mission après plus loin qui s'enchaîne plus ou moins, qui se trouve dans la Cité de la Douleur. Donc vu que je me suis pas encore assez entraîné dessus, je préférais les éviter. Donc on va se rendre ici. Et aller s'occuper de la mission de ravitaillement qui est à peine plus loin. Si tout se passe bien, nous avons un voilà un buzzer juste ici. Cette fois-ci, je dis bien le nom, buzzer. Là, voilà. Bonjour, cher buzzer. On y va.
comme je vous dis, on s'occupe de la mission de ravitaillement rapidement. Et une fois que ce sera fait, on pourra aller voir ailleurs si on y est. Ah bah non, comme quoi, les ralentissements n'étaient pas complètement liés. Même s'il y en a quand même moins, parce que je n'ai pas encore eu à couper la vidéo pour rétablir un peu l'ordre. Donc finalement, c'est pas si mal, la Tank. Il y en a bien quelques-uns encore, mais ce n'est pas non plus la fin du monde. Allez hop, mission de ravitaillement, comme je vous le disais. Répondez, s'il vous plaît! Répondez, s'il vous plaît! Vindi! Ah, enfin! Je t'envoie les coordonnées des sites de largage. Récupère les colis avant les hommes de Doppler. Les hommes du gouverneur? Il n'y a que toi, Vindi! Avec tes années d'entraînement, hein? Quoi? Terminé. Avec un buzzer, c'est quand même bien plus rapide, les missions de gravité. En espérant qu'ils ne vont pas me supprimer au fur et à mesure. Je me demande si ça marche, enfin si ça fonctionne plutôt, de faire passer un aigle dans les pales du buzzer. Jamais essayé, à vrai dire. Ah, il fallait qu'il y ait des civils. J'ai réussi à avoir le premier. C'est ouais. Bien. Continue. Désolé mon grand, mais bon. On va réparer quand même notre véhicule parce qu'il y a du dégusté là vite fait. Bon bah j'ai l'impression qu'ils nous l'ont réparé. Nous par contre on a un peu dégusté, je pensais pas qu'il va être civil. Pourtant je devrais m'en souvenir parce qu'à chaque fois que j'ai fait cette mission il y en avait quand il y en avait. Donc, maintenant on va voir la petite zone où il y avait Yalung avant. Et j'ai déjà récupéré le masque qu'il y avait ici. Voilà. Alors, où est le sac? Ici. J'ai le dernier colis. Formidable! Merci de les déposer à cet endroit. Tenez, j'ai bien peur que ça ne passe pas là. Vraiment pas. Je me suis dit que c'était fini. Que le bateau allait me foncer dessus, ou je ne sais quoi, mais quelque chose dans le genre, quoi. Non mais sincèrement, c'est quand même bien plus pratique de faire les choses ainsi. Ok, ils sont juste là, bon, on va remonter. À la main, c'est pas comme si on allait manquer de temps pour le faire. J'espère qu'ils vont laisser quand même mon buzzer dans le coin. Aïe, je me suis un peu fait découper, comme à l'entraînement. Voilà, je me suis fait un peu découper par les pales des hélices. Toi aussi, je t'avais oublié donc. Voilà, c'est bon. T'envoies le ravitaillement au sentier d'or? Pas encore. On fait des stocks pour une opération. Je peux pas t'en dire plus pour le moment. Il est pas mort, je me tire. En tout cas, nouvelle mission terminée. Je me disais bien que j'étais pas arrivé en bas là.
un éléphant. Ensuite, bah, on peut peut-être s'occuper un petit peu de tout ce qui est dans l'environnement, sans trop se rapprocher non plus du point, mais on va essayer de... Je vais récupérer cette affiche, et le masque des Yelung qui est ici, tout en enlevant un petit peu tous les éléments qu'il y a dans l'environnement. Le désamorçage, je le ferai plus tard, je pense. Bref, à tout de suite. Et hop, du coup, une affiche juste ici. Je dézoome un petit peu pour vous montrer où nous sommes. Tadam ! Et nous sommes à 34 sur 150. On continue. Phew, j'ai bien dégusté là. Alors nous sommes où ? Nous sommes un peu plus bas sur la carte, à l'ouest. J'ai utilisé pas mal de trousses de soins d'ailleurs. Juste ici. Et nous allons activer un moulin à prière, ce qui nous permet de récupérer un peu de karma. Voilà, une bonne chose de faite. D'ailleurs, est-ce que je peux ne pas me gêner pour ramasser quelques plantes? Nous sommes à 16 sur 40 en ce qui concerne les moulins à prière. Alors, elle est où la petite plante, là, ici? Et en plus, je vois qu'il y a une plante verte juste après. Je la récupère, on se retrouve dans quelques secondes, lorsque je serai à l'arrivée à la suite des événements. Un coin plutôt joli, d'ailleurs. Ici. Donc on va faire une pause, on va descendre. Je vois qu'en plus je suis attaqué par une espèce de gus qui veut ma peau. On veut lui faire comprendre qui est le patron. Oh non, toi, mon gars. Non, c'est toi mon gars. Non mais c'est quoi ce boulot? Donc oui, je me fais un petit arrêt ici, parce que c'est vrai que le lieu est plutôt joli. Enfin, regardez, c'est tout d'en haut en fait, parce qu'une fois qu'on est au sol, je trouve pas ça si extraordinaire que ça. Bon, ça pourrait être pire, je vais en profiter. Parce que je sais qu'ici, il y a une petite plante verte. Enfin, je sais, je vois. Non, mais attendez, c'est quoi cette arnaque encore une fois? Et il y a un autre truc à récupérer. J'espère que ça va pas me faire perdre mon buzzer. Juste là. Donc peut-être qu'il y a un truc sous-marin. Ouais, non, j'ai peur que le buzzer disparaisse. Bon, tant pis, je verrai bien. On va récupérer de la vie où il y aurait des poissons dégueulasses. Alors, qu'est-ce que ça cache de beau ici? Simplement une petite berque, comme le diraient certains. Voilà, on continue. Nouvelle zone avec une affiche. Voilà, alors, elle est juste là. Au revoir, affiche, nous sommes à 35 sur 150. Une leçon à retenir. Prabin, croyait pouvoir abriter les terroristes du Sentier d'Or et manquait de respect à son roi. Prabin croyait aider son pays et sa famille. Regardez autour de vous, Prabin avait tort. Ne vous laissez pas berner par les mensonges des terroristes. Si vous voyez quoi que ce soit, dites-le. Le caporal Nat sera plus qu'heureux d'aider les familles et de ceux qui pourront fournir des informations. Si vous voulez être la star du film, à vous d'en écrire le scénario. Paul Doppler. Sinon, Quick, il n'y a plus. Il est là. Petit coffre. Et je vois que de l'autre côté, il y a une plante verte, donc je vais la récupérer. Avant que je ne manque d'éléments. Et on continue. Et voilà, on découvre une nouvelle zone, la distillerie de Rashkish Sabajit. Voilà, on récupère donc une affiche ici. Et il doit y avoir un coin par là. Planqué avec un petit coffre. Est-ce que je l'ai bien ouvert? Ouais, c'est bon. Par contre, j'ai quoi? Pourquoi ça me fait... J'avais trop d'objets? Ouais, non, mais vous voyez, l'argent, il y en a trop dans le jeu, en fait. Après, on sait plus quoi en faire. On continue. Et nous voilà arrivés à destination. Il semblerait qu'il y ait un masque de Yelung dans cet environnement-là. Regardez bien, nous sommes ici complètement à l'ouest. On a fait le ménage toute la zone. Alors ça, je le ferai plus tard, parce que je vois qu'on nous sommes pas loin de lieux qu'on sera amené à visiter par la suite. Donc on les fera à ce moment-là. Alors je vous avoue que j'ai pas encore visité la grotte, donc je ne saurais pas vous dire si je passe du bon côté ou non. Plutôt sympa par chez vous, hein, dis donc.
Shinzen, on y mettait des prisonniers. Voyons voir ce que ça nous dit de beau, ça. Cité de la douleur, vous avez accompli un travail fantastique avec des résultats spectaculaires. Comme vous le savez, je vais quitter le Kirat pendant quelques semaines et comme d'habitude, j'ai réuni quelques-uns de mes plus fidèles alliés dans la cité de la douleur. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes invités. Je vous envoie les détails prochainement. Continuez comme ça, vous faites vraiment honneur à votre promotion grade de caporal. Parfois, on prend la bonne décision et d'autres, c'est nous qui la rendons bonne. Paul de Pleur. Difficilement, il aime bien ce genre de choses, lui, hein. Alors le masque doit pas être très loin d'ici, il doit être au-dessus. On va aller le chercher. Petit champi. Voilà. Alors comment je peux faire pour le détruire celui-là? Qu'est-ce que cette vie? L'équilibre a disparu, il n'y a plus d'équilibre. Banachou a régné pendant trop longtemps. Le temps de Yalung est arrivé. Le boucher a l'impression d'avoir déjà lu celui-là. Je peux le lire. Il n'y a pas un endroit où je peux tirer dessus. Ne me demandez pas comment j'ai réussi à l'avoir, je ne sais pas. J'ai tiré plusieurs balles, j'ai tiré des grenades, et au final, celle-là vient d'arriver. Et je ne sais pas comment elle a réussi à passer à travers entre les barreaux, puisque j'en ai utilisé quand même un petit paquet. En plus, je me suis fait attaquer entre-temps. Bref, en tout cas, on a fini pour cette vidéo-là. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouve quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensées positives. N'hésitez pas à découvrir les vidéos de mes camarades filmeurs sur frappstjeux.fr ou sur mon blog itisand3.fr. Passez une agréable fin de journée et à ciao tout le monde. Salut, tiens-toi là-bas. Je fais des munitions. Thank you.